La une de cette édition, le principal organe de réglementation bancaire chinois pèse sur la guerre commerciale. Il affirme que les États-Unis bénéficient grandement de leur déficit commercial avec la Chine. Le président de la commission de réglementation des banques et des assurances de Chine a déclaré que les entreprises américaines récupéreraient une grande partie de ce déficit sous forme de bénéfices. Il a ajouté que seule une petite partie de la valeur ajoutée va à la Chine. Hu Xuqing a précisé que les produits chinois à faible coût ont aidé les familles américaines à réduire leur coût de la vie. Il estime que les droits de douane affaibliront le marché financier mondial, mais aussi les entreprises américaines. Celles-ci réduiront leurs exportations vers la Chine avec comme conséquence la baisse de leur chiffre d'affaires.